Petit a, la charge Q dans le dessin ci-dessous est-elle positive ou négative? Petit b, dessine le vecteur E, indice B. Ce qui est demandé, c'est le signe de cette charge Q et il faut construire ce vecteur E, indice B. Commençons par le petit a et plaçons au point A la charge d'un coulomb. Nous voyons que cette charge positive d'un coulomb est repoussée par cette charge Q, et par conséquent, cette charge Q doit être positive. Au petit b, plaçons d'abord la charge d'un coulomb en ce point B. Nous savons que ce coulomb charge positive va être repoussé par cette charge positive Q. Donc le vecteur E indice B que nous cherchons est le long de ce rayon et d'origine B. Nous savons que l'intensité d'un champ électrique se calcule par cette formule. Si nous appelons R la distance entre Q et A, alors la distance entre Q et B, c'est, d'après ce dessin, 2 fois R. Et donc l'intensité du champ électrique E indice B se calcule au moyen de cette formule par le produit de K0 et de Q divisé par le carré de cette distance 2 fois R. 2R au carré, c'est 4 fois R carré, et donc cette fraction vaut un quart de cette fraction-là. Et cette deuxième fraction, c'est justement l'intensité du champ électrique E indice A. Et ainsi, nous voyons que la longueur du vecteur E indice B que nous cherchons vaut un quart de ce vecteur E indice A. Par conséquent, l'extrémité du vecteur E indice B se trouve ici et l'origine c'est B, d'où ce vecteur demandé.